L'hélicoptère Viking du SAMU 76 à Rouen a récemment été équipé d'un échographe portable, un matériel qui permet aux médecins d'améliorer les diagnostics dans les situations d'urgence. Avant, on traitait par des fortes présomptions, des fortes probabilités d'un diagnostic. Maintenant, on a une certitude diagnostique avec ce qu'on pensait. Maintenant, on arrive à voir des images et on arrive à traiter, cibler des thérapeutiques spécifiques pour confirmer un infarctus quand on a des signes d'électrocardiogramme qui sont douteux. C'est surtout l'extension du stéthoscope des mains, des oreilles, des yeux de l'urgentiste. Pas besoin d'envoyer les images à distance à un radiologue. Les deux tiers des médecins urgentistes du CHU ont reçu une formation spécifique. Ça nous fait changer notre vision. On travaille directement sur des filières maintenant, avec les cardiologues, avec les réanimateurs. Quand on pense à un diagnostic, ça va plus vite. Et on met les patients dans le bon service. Des fois, on gagne du temps. On ne passe pas forcément par les urgences quand les malades les plus graves. Cet équipement vient compléter les deux échographes portables installés à bord des ambulances du SMUR, une acquisition rendue possible grâce à la Fondation Charles-Nicolle Normandie.